Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation, comme la dernière vidéo, sauf que la dernière fois nous avons parlé de perte de poids, d'hygiène de vie saine, et aujourd'hui notre sujet du jour, de la vidéo du jour, c'est le positivisme, la bonne humeur, comment faire pour retrouver la joie de vivre après cette saison de l'hiver un petit peu morose, un petit peu déprimante. On va essayer aujourd'hui de passer une bonne journée en mode 100% good vibes, optimiste, positive, etc. Donc dans cette vidéo, vous allez voir des choses que j'applique déjà au quotidien et puis des choses que j'ai décidé de changer, parce que je trouvais que ce n'était pas forcément très bon pour mon moral, que j'étais pas forcément heureuse ou de bonne humeur quand je faisais ces petites choses-là. Donc il y a aussi des choses que je vais changer. La première chose importante à mon sens, c'est de se lever assez tôt, en tout cas pas trop tard, pour pouvoir profiter de la journée. Parce que j'ai déjà remarqué, donc vous me direz vous dans les commentaires si c'est votre cas également, quand je me lève tard, donc on va dire vers 10h, à partir de 10h pour moi c'est tard, je ne me sens pas forcément bien parce que j'ai déjà l'impression qu'une partie de ma journée m'a échappé et j'ai pas pu faire énormément de choses. En plus de ça, je suis assez fatiguée et du coup, j'ai l'impression de... Je suis pas forcément de bonne humeur. Alors que quand je me lève tôt, vers 7-8 heures, alors bien sûr, là, je parle des jours où je ne travaille pas, où j'ai pas besoin de mettre de réveil, hein, où je reste à la maison. Donc les jours où je suis chez moi et que je me lève vers 7-8 heures, et ben franchement, je suis bien parce que je me lève à peu près en même temps que le soleil. Donc ça, c'est aussi très important au niveau du cycle avec le soleil, d'être en accord. Ça joue énormément sur notre humeur. Donc quand je me lève assez tôt, et ben je me sens mieux parce que je sais que j'ai vraiment toute la journée devant moi, que je peux faire vraiment beaucoup de choses, que je peux être productive dès le matin. Et moi, le matin, c'est mon moment préféré de la journée parce que c'est là où je suis la plus en forme, la plus productive. Et vraiment, quand je réussis mon matin, et ben en fait, je sais à 90% que je vais réussir le reste de ma journée. Deuxième conseil, ça serait de vous préparer une boisson réconfortante, un petit déjeuner qui vous fait plaisir, vous faire plaisir dans votre assiette, dans votre petit déjeuner, de faire quelque chose que vous voulez, cuisiner, etc. Moi, comme vous le savez ou peut-être pas, je ne petit déjeune pas le matin, enfin en tout cas pas au réveil, pas comme ça à 8h comme là ce matin. Et depuis un petit moment, je bois du thé matcha, donc vous avez vu dans les images précédentes. Dès le réveil, je me suis préparé mon petit thé, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est un rituel. C'est réconfortant. Et la chose que j'aimerais changer ici dans cette vidéo, et même sur le long terme dans mes habitudes de vie, ça serait de ne pas commencer ma journée en regardant mon téléphone. J'ai vraiment une tendance à scroller, à procrastiner et à rester à chaque fois je me dis bon allez, c'est juste le temps que je boive mon petit thé matcha, ça va prendre 10 minutes. Et en fait je me retrouve à être dans mon fauteuil pendant 30 minutes voire parfois une heure, au final à faire des choses qui ne m'intéressent pas forcément, et je sais pas, du coup je me mets dans une sorte de spirale négative et c'est là en fait que ça va être décisif pour le reste de ma journée où je vais pas forcément me sentir bien. Donc là j'ai décidé d'arrêter mon téléphone, je n'ai pas touché depuis que je me suis levée, il est sur la table posée à côté, et j'ai envie en fait de boire mon thé matcha en observant la nature, parce que j'ai de la chance de vivre à la campagne avec un super cadre, avec une super vue sur les champs. En plus aujourd'hui, est-ce que c'est fait exprès pour la vidéo, je ne sais pas, est-ce que c'est un signe? On va dire que oui, il fait hyper beau et donc c'est hyper agréable. Donc j'ai juste envie de profiter de mon petit thé matcha en regardant la nature, en me réveillant naturellement comme ça. Ensuite, on va faire quelque chose que je commence à faire depuis quelques jours. C'est ma nouvelle habitude, on va dire, le matin quand je ne travaille pas. C'est de lire un livre juste après mon thé matcha, donc vraiment un peu de temps après mon réveil, mais pas n'importe quel livre, un livre de développement personnel. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude ou si vous avez déjà commencé à lire des livres de développement personnel. Moi, ça doit faire au moins... Elle est bien 4 ans que je m'y suis mise, alors j'en lis pas forcément très souvent, je vous avoue. J'avais laissé pendant un petit moment de côté ces livres-là, mais en fait ce sont des livres qui me plaisent beaucoup. Mais il faut juste savoir à quel moment c'est le plus intéressant pour vous de les lire. Et moi en fait, c'est le matin. En fait le matin, c'est là où je suis le plus concentrée, c'est là où je suis le plus en forme. Et donc je vais pouvoir bien retenir ce que je lis. Alors que le soir, avant j'essayais de lire ça le soir avant de me coucher, et en fait j'étais trop fatiguée.
Et si vous voulez, les livres développement personnel, ça demande quand même une certaine réflexion. Moi aussi, je suis toujours en train de fluoter, de surligner des choses avec mon fluo pour ne pas oublier des choses importantes en fait que j'ai envie de retenir. Ce soir, en fait, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas la tête à ça et j'étais pas assez concentrée. Donc du coup, maintenant, j'essaye d'intégrer ça dans ma matinée. Et voilà, je lis pas énormément. On va dire que je lis une dizaine de pages le matin, mais voilà, petit à petit, bah voilà, mes livres sont finis. Et j'ai déjà commencé un livre depuis un petit moment, c'est Le pouvoir du moment présent. Donc ça peut coller avec le thème. Voilà, c'est des petites techniques qui vont nous apprendre à atteindre l'état de grâce, de légèreté et de bien-être. Mais je voulais vous en présenter un autre que j'ai dans ma bibliothèque, qui est plus axé justement sur la joie, la bonne humeur. Et je l'avais mis de côté, celui-ci. Donc de Frédéric Lenoir qui s'appelle La puissance de la joie. Voilà, essayez du coup de trouver un livre de développement personnel qui colle à votre problématique, à ce que vous voulez résoudre comme problème dans votre vie personnelle. Donc c'est parti pour le petit moment de lecture. Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas lire ce livre-là pour le moment parce que j'ai déjà commencé un autre et je n'aime pas du tout entamer plusieurs livres en même temps parce qu'après je me perds, j'aime bien être à fond dans un livre puis ensuite quand j'ai fini passer à un autre. Mais voilà, c'était vraiment pour vous présenter ce livre là en lien avec la joie, avec le bonheur. Mais voilà, moi je vais reprendre mon petit bouquin Le pouvoir du moment présent. Donc je vais me poser un petit peu et je vais lire ça, on va dire, pour me détendre et travailler un petit peu sur moi et sur mon mental. Et alors non, vous ne rêvez pas, je suis dans mes escaliers et je me suis dit que ça serait bien de changer un petit peu de lieu de lecture. Et en fait, si vous voulez, je vais vous montrer après. Dans mon escalier, j'ai un petit rebord de fenêtre où je peux me poser un petit peu à côté de ma fenêtre. Et du coup, j'ai une belle vue sur mon jardin, sur les pâtures. Et je me suis dit que ça peut aussi avoir un impact sur mon humeur, le fait de lire avec un cadre assez sympa. D'habitude je lis dans mon canapé, mais enfin voilà, c'est une habitude, mais il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Je suis dans mon salon alors que là il fait beau, je suis à la lumière du jour, il y a une belle vue et je pense que c'est un tout en fait pour se sentir bien. Pourquoi je me retrouve sur mon rebord de fenêtre. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on va lire un petit peu. Voilà, donc je viens finir de lire, là il est tout juste 10h, en général ce que je fais assez tôt dans la matinée, à peu près une heure ou deux, on va dire, après m'être levée, je vais marcher. Ça c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, pratiquement tous les jours, que ce soit le matin ou le soir. Le matin quand je n'ai pas école et le soir quand je rentre de l'école, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et je vous le recommande vraiment fortement. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher, essayez d'aller marcher au moins 30 minutes, pas forcément tous les jours, mais au moins 3-4 fois dans la semaine, parce que vraiment moi c'est mon meilleur moment de la journée, ça me fait vraiment du bien au moral, surtout des journées comme aujourd'hui où il fait super beau. Le fait de se retrouver seul avec soi-même, profiter de soi, profiter de la nature si vous vivez à la campagne, voilà, d'observer la nature, de regarder un petit peu, d'être dans le calme, c'est vraiment un sentiment d'apaisement. Moi souvent j'écoute un petit podcast en fond parce que j'aime beaucoup aussi des podcasts sur la motivation, sur le bien-être, un petit peu tout ça. Vous de trouver qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous allez marcher. Mais avant ça, j'aimerais tenter une nouvelle chose pour être encore plus heureuse, pour être encore plus de bonne humeur. J'aimerais tester les affirmations positives et aussi tout ce qui est visualisation de mes rêves ou au moins visualisation de scènes heureuses. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, les affirmations positives, ce sont des pensées positives, des phrases positives que l'on va répéter plusieurs fois, donc à peu près 2-3 fois pour essayer de se l'ancrer et pour s'en convaincre. Et voilà, c'est quelque chose qui va un petit peu rythmer notre journée. Soit vous créez vous-même vos affirmations positives, vous savez ce que vous voulez et vous le répétez. Ou bien, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez très bien en trouver sur internet, dans des livres, et également sur mon compte Instagram. Tous les lundis, je vous partage une affirmation positive. Donc là, vous avez déjà une bonne dizaine d'affirmations que vous pouvez piocher si vous voulez. Moi, comme je commence à avoir l'habitude, je vais m'inventer une affirmation positive pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je me concentre sur le positif. Je laisse entrer dans mon cœur et dans ma tête que les pensées positives. Aujourd'hui, je me concentre sur le positif. Je laisse entrer dans mon cœur et dans ma tête que les pensées positives. Donc voilà pour les affirmations. Le tout, c'est de vraiment y croire au moment où vous prononcez ces mots à haute voix. C'est vraiment une promesse que vous vous faites
à vous-même en fait, et vous pouvez vous la répéter plusieurs fois dans la journée, particulièrement les moments où vous sentez que, bah voilà, comme là par exemple moi, si je sens que je n'ai pas respecté ma promesse, mon affirmation, que j'ai des petites choses qui me travaillent et qui me font pas du bien au moral, hop, je vais tout de suite arrêter et je vais me répéter encore 3-4 fois ma pensée, mon affirmation positive pour essayer de contrer tout ça et revenir du coup dans ce schéma de positivisme, de good vibes uniquement pour aujourd'hui. En ce qui concerne la visualisation de ces rêves ou bien d'images heureuses, c'est quelque chose que je faisais avant, surtout au moment où je passais le concours. Je visualisais toujours le moment où j'avais les résultats et que j'étais admise, que j'avais du coup le CRPE, que j'étais donc professeur des écoles, et ça m'aidait vraiment beaucoup, et ensuite j'ai complètement arrêté. Pas forcément un rêve que vous devez visualiser, mais ça peut être aussi quelque chose, un moment qui vous a rendu heureux. Enfin, le but, c'est vraiment de ressortir de ce moment-là de 2-3 minutes avec vraiment un sentiment de plénitude et de joie, tout simplement. Donc voilà, moi je vais fermer mes yeux, je vais essayer de penser surtout à quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir, un souvenir heureux, et puis voilà. Bon, j'ai coupé un petit peu parce que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Alors, c'est franchement pas évident déjà de trouver un souvenir heureux ou de vraiment se plonger dans ce souvenir au point de ressentir les émotions. C'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais donc j'ai bien pris 5 minutes avant de me souvenir de quelque chose qui m'a vraiment rendue heureuse. Que voilà, je peux pas vous dire que c'est un franc succès pour aujourd'hui parce que c'est vraiment un exercice, voilà, faut vraiment s'entraîner, ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Mais je vais quand même essayer de faire ça plus souvent parce que je pense vraiment que ça peut avoir un super impact positif sur mon mental. Donc voilà, moi je vous le recommande aussi si vous n'avez jamais testé cette visualisation de ses rêves ou bien la visualisation de moments heureux. Essayez de tester et puis vous me direz dans les commentaires, vous me ferez un petit retour. Bon voilà, c'est l'heure maintenant d'aller marcher. Donc écoutez, je vais aller me changer parce que je suis encore en pyjama. Je me change, je me prépare et puis ensuite on se retrouve avec des petites images de ma marche, dans la nature, à la campagne. Voilà, ce sera cadeau pour vous avec ce beau soleil, ça va faire vraiment du bien. Voilà, je suis rentrée de ma marche il y a environ 20 minutes, 20-30 minutes. Je vous ai pas repris tout de suite parce que je devais faire une petite chose assez urgente par rapport à l'école. Mais voilà, encore une fois, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, en plus avec ce beau temps, c'est vrai que c'est hyper agréable. Écoutez, là, je vais vous laisser. Je vous reprendrai cet après-midi parce que je vais aller manger ce midi avec mon père et ma sœur. Ça fait partie des choses à moi qui me font du bien, qui me font du bien à mon moral. Si je peux rajouter un conseil à cette journée bonne humeur, positive, c'est de vous trouver des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous font du bien au moral. Moi par exemple, ce qui m'aide à avoir le moral, à être bien, c'est de voir mes proches, de passer du temps avec mes proches. Donc c'est ce que je vais faire ce midi. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure pour moi et tout de suite pour vous. Nous revoici quelques heures plus tard, il est 15h30, je viens de rentrer chez moi. J'ai laissé mon manteau comme vous pouvez le voir parce que je vais aller dehors. Je me suis fait un petit thé, voilà, une petite tasse de thé. Et en fait, comme il fait vachement beau aujourd'hui, ça fait tellement du bien au moral de voir le soleil qu'on avait perdu depuis un petit moment, que j'ai eu envie tout simplement d'aller me mettre dehors dans mon jardin et de juste boire mon thé comme ça sans rien faire d'autre en fait. Donc c'est ce que je vais faire maintenant et ensuite je vais faire une autre chose que j'aime beaucoup, que je dois faire mais que je prends plaisir à faire. C'est tout ce qui est création de contenu sur Instagram, etc. Je dois filmer un réel. Et voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent. Comme là maintenant, par exemple, de tourner un vlog, de filmer. C'est des choses qui me font du bien au moral. Donc voilà pour moi après.
Bon, on se retrouve quelques temps après, quelques heures plus tard. Je vous ai un petit peu abandonné, c'est vrai, mais en fait, j'ai pas eu énormément de choses intéressantes à vous filmer qui ont vraiment ce rapport avec la problématique de la vidéo. Parce que juste après avoir pris mon thé dehors qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, où je suis restée une vingtaine de minutes, une fois ça terminé, j'ai filmé, monté et publié mon réel, donc sur mon compte Insta. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et ensuite, je devais travailler un petit peu pour l'école parce que je devais remplir, finir de remplir les carnets de suivi d'apprentissage de mes élèves, enfin, écrire les appréciations, etc. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'était pas intéressant à filmer pour vous pour cette vidéo. Et je m'apprête à faire quelque chose que je fais maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Une nouvelle habitude que j'ai prise et j'en suis très contente, c'est la lecture. Voilà, maintenant je me couche plus tôt le soir, je vais plutôt dans mon lit et je lis à peu près 30 minutes avant de dormir parce que la lecture en fait c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, j'adore lire. Et pendant un moment, je ne le faisais plus et je passais plutôt mon temps avant de dormir sur le téléphone. Et en fait, bah, ça ne m'amenait rien de bon. Et franchement, la lecture me manquait. Donc j'ai repris cette habitude de lire le soir et de poser mon téléphone. Et franchement, j'adore ces moments-là. Il faut vraiment que toutes ces joies, tous ces petits bonheurs durent vraiment toute la journée. Donc du lever jusqu'au coucher. Donc voilà. Donc là, on va lire un petit peu. Et ensuite, je me coucherai vers 23h maximum. Parce que chose importante aussi, c'est d'avoir un bon sommeil, de dormir suffisamment. Parce que si on ne dort pas suffisamment, bah on va être fatigué. Et qui dit fatigue dit stabilité. Et voilà, moi je sais que quand je dors pas suffisamment, bah je suis sur les nerfs, je suis pas de bonne humeur. Voilà, je suis pas très agréable et je passe pas forcément une bonne journée le lendemain. Donc c'est aussi important si vous voulez être plus positif, être de meilleure humeur. Il faut que vous dormiez suffisamment, laisser une place importante au sommeil. Donc voilà, moi je me couche à 23h, je me lève vers 7h, 7h30, donc ça me fait un bon 8h de sommeil, c'est ce dont j'ai besoin. Voilà, il faut en général entre 7h et 9h de sommeil pour être en forme. Donc voilà, écoutez, là je commence un tout nouveau livre. C'est un livre que ma marraine m'avait passé parce qu'elle sait que j'aime beaucoup les livres de développement personnel, mais moi j'aime bien les livres de développement personnel sous forme de roman. Voilà, et là c'est le livre Respire de l'auteur qui a écrit Kilomètre Zéro, donc c'est un livre de développement personnel assez connu que je n'ai pas encore lu, donc je vais commencer à écouter par son deuxième roman, Respire, avant de lire son premier Kilomètre Zéro. Mais l'histoire a l'air sympa et c'est vraiment le genre de livres qui m'inspirent et qui me font du bien, qui me donnent de l'espoir, etc. Enfin voilà, c'est des livres assez inspirants et motivants. Donc écoutez, c'est parti pour quelques pages de lecture et ensuite dodo. Voilà, j'ai fini de lire, donc je vais pas tarder à me coucher. J'ai oublié de vous dire aussi que ce qui pourrait être sympa à faire avant de se coucher, dans le même principe que ce matin, les affirmations positives, c'est de conclure sa journée avant de dormir par des gratitudes. Donc voilà, soit d'écrire vos gratitudes, soit de les avoir en tête, de les penser. Voilà, ça peut être, eh bien, votre moment préféré de la journée, de quoi vous êtes reconnaissant dans votre journée, qu'est-ce qui vous a rendu fier, qu'est-ce qui vous a rendu heureux. Et le but en fait, c'est de se coucher avec ces bonnes pensées, ces pensées positives. Écoutez, cette vidéo s'arrête maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça pour essayer de se motiver ensemble à retrouver le chemin du bonheur, le chemin des good vibes, de quitter ce blues comme ça de l'hiver. Et de commencer à penser positif et à être bien tout simplement
dans sa peau, dans sa tête et être heureux. Sachant évidemment que ça ne doit pas être l'histoire d'une seule journée. Des habitudes comme ça que vous devez mettre en place. Effectivement, quand on travaille, c'est un petit peu moins évident parce qu'on a moins le temps de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, etc. Mais essayez quand même de faire au moins deux choses dans la journée qui vont vous faire du bien. J'essaie quand même de mettre des petites touches positives comme ça dans ma journée qui me motivent et qui me font du bien au moral. Là, ce sont des choses que vous devez mettre en place au fur et à mesure pour vraiment vous trouver une petite routine bonheur, good vibes. Et voilà, donc écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous laisse passer une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.